Bienvenue sur Educouti. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit bébé qui est en train de se préparer dans mon bidon. Alors, comme vous le savez, j'ai une petite fille de 5 ans déjà. Donc, voilà, c'était pas prévu qu'il y ait autant d'écart entre nos deux enfants, mais on a eu un parcours un petit peu particulier. Si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai donc mon compte Educouti où là vous retrouverez des outils éducatifs comme sur cette chaîne. Et sinon, j'ai un compte Dernier essai bébé arc-en-ciel, donc bon, le titre est assez évocateur, où là vous pourrez comprendre pourquoi j'ai autant d'écart entre mes deux enfants. Toujours est-il qu'à 5 ans, un enfant ça verbalise, donc peut-être qu'un enfant de 2 ans, 1 an et demi, voire même 3 ans, il commence à avoir du vocabulaire, mais ils ne sont pas capables d'exprimer clairement leurs émotions. Et même quand ils ont le vocabulaire, parfois c'est pas toujours simple. Donc voilà, moi ma fille parle et j'ai la chance qu'elle pose quand même régulièrement des questions sur le fait que est-ce que je l'aime? Est-ce que je vais encore l'aimer quand le bébé va arriver? Donc je lui réponds toujours par la positive, et donne toujours des explications. Mais là, avec cette activité, j'ai voulu lui montrer concrètement qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'une maman quand il y a des nouvelles personnes et surtout un nouveau bébé qui rentre dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui fait le cœur? Il s'agrandit. Donc voilà, bah, je vous laisse regarder cette petite vidéo de l'activité où évidemment, je vous ai fait une démo parce que sinon, ma fille, elle parle de sa petite sœur en évoquant son prénom. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de garder ça un petit peu secret. Je vous laisse regarder ça bientôt sur ma chaîne. Quand maman est née, elle avait une maman, un papa et un grand frère. Ensuite, elle a rencontré d'autres personnes de sa famille. Après, il y avait de la place dans son petit cœur. Après, elle est partie à l'école, elle s'est fait des amis. Elle a rencontré d'autres personnes, les maîtresses. Après, elle a grandi. Alors du coup, il fallait de la place dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui fait le cœur quand on rencontre des nouvelles personnes? Il s'agrandit. Son cœur s'est agrandi. Après, maman, elle a rencontré papa. Après, tu es arrivée dans son bidon. Tu es sortie de son bidon. Tu es née. Après, nous sommes partis vivre au Canada, on a encore rencontré du monde. Et puis maintenant, il y a ta petite sœur qui est dans son bidon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le cœur de maman. Il va encore s'agrandir. Il y aura ta petite sœur, il y aura plein de nouvelles personnes encore. Parce que on rencontre des gens. On perd de vue d'autres personnes. On en rencontre des nouvelles et il y a toujours de la place dans notre cœur. Et c'est pas parce qu'on rencontre des nouvelles personnes qu'on oublie les autres personnes qu'on a connues avant. Et c'est pas parce qu'on a un nouveau bébé qu'on oublie le premier bébé. Et après, quand on a encore d'autres bébés, notre cœur il s'agrandit encore et encore et encore. Il n'y a pas de limite pour le cœur d'une maman.